entre Bruno et Jennifer C'est du sérieux. S'ils ne se sont pas mariés au premier regard devant les caméras de M6, ils se sont retrouvés après leur divorce respectif. Candidats de la 6e saison du programme, C'est sur leurs réseaux sociaux qu'ils partagent leur histoire d'amour, un temps gardée secrète, et puis un jour, on s'en fout, et ça fait du bien, écrit la Lilloise qui avait dit oui à Eddie. Amoureux, le couple semble avoir franchi une étape importante, les présentations entre le fils de Jennifer et Bruno. Dans ses stories Instagram, du mercredi 19 juillet, l'ex-époux d'Alicia dévoile des photos de Jennifer accompagnée du petit garçon âgé de 6 portant le maillot de Kylian Mbappé, joueur du Paris Saint-Germain avant une session de tir au but dans une fête lorraine. Des publications sobrement légendées, en famille. Supérieur à supérieur à marié au premier regard 2023, découvrez les portraits des nouveaux candidats Bruno et Jennifer, une histoire qui a surpris le 9 juillet dernier, le jeune couple partageait pour la première fois une photo d'eux ensemble avec pour simple commentaire, « No words needed, pas besoin de mots », en français. Une officialisation qui n'avait pas manqué de surprendre leurs abonnés, « J'ai loupé un truc là, pas doué les experts ou encore c'est le principe même de l'amour ». Pas de contrôle, se laisser porter, ne rien contrôler, peut-on lire parmi les commentaires. De son côté, Jennifer répond en commentaire, peu importe de savoir de quoi sera fait demain, ou encore ce que nous réserve l'avenir, à savoir si cela peut être compris de la même façon que nous vivons ces moments, nos moments. Et ajoute, le seul risque que j'ai envie de prendre c'est celui que je veux partager avec toi. Vivons le moment présent. One life. À la vie, à l'amour. Crédit photo, capture d'écran Instagram Bruno-Mapr6.